Salut la team, aujourd'hui on va voir comment faire un beat drill sur live. Ok, tout d'abord je vais vous faire écouter du coup un petit extrait de la prod. On va commencer d'abord par les mélos. Je commence généralement toujours autour de ça pour trouver un gimmick intéressant et pouvoir développer autour de ça. Donc ce que j'ai fait ici, c'est des accords relativement simples. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté une petite enveloppe, comme vous voyez. Voilà, pour donner un petit peu d'attaque et de relief au son. Ensuite, on a une seconde piste. Alors, si je me souviens bien, je l'avais fait avec Arcade de chez Output. Dans les refrains, en fait, il va jouer de façon tenue dans les couplets. Ici, j'ai activé la fonction Warp avec le mode Beats, Transient. Et ici, j'ai sélectionné ce mode-là. J'ai réduit le temps sur les transients. Ça donne en fait cet effet-là. Vous voyez, si j'accentue. Qui est complètement différent de ça. Ensuite, toujours sur la mélo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en reverse les accords du pad. Voilà, ici aussi. Ensuite, ici, j'ai ma sub. J'ai un FX. Ici, j'en ai un autre. Un autre point important, vous avez entendu, il y a un cut. Donc ça, je le fais via le groupe, donc j'envoie en fait tous mes instruments mélodiques donc dans un groupe que j'appelle Mélo. Et dans ce bus là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je fais mes cuts en fait avec la fonction Speaker On du mixeur d'Ableton. Du coup, une fois que j'ai ma mélo, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à intégrer les drums, donc clap, snare. Chose à savoir, c'est que les claps ou les snares ne tapent pas sur le troisième temps comme de la trap classique, mais ça va être légèrement décalé. On va s'écouter ça de suite. Vous voyez ici, vous avez un mouvement de gauche à droite créé avec ici le track panning qui vous permet justement d'avoir un mouvement du snare. Maintenant, on va s'écouter la piste de hi-hat. En fait, c'est une piste hyper importante, c'est celle qui va donner du groove. Donc pour ça, on va jouer vachement sur les vélocités. Vous pouvez le voir ici, vous voyez, les vélocités, en fait, elles varient vachement. Ce qui est important aussi, c'est que vous allez aussi avoir des changements au niveau des notes. Vous pouvez même avoir des grilles en ternaire pour donner encore plus de groove en fait. Ce que je fais, c'est que je sélectionne des notes et ensuite après je vais venir comme ça réduire jusqu'à ce que je trouve un groove en fait intéressant sur mes charlets. Donc autre tip, c'est également pour les charlets, vous pouvez jouer sur la panoramique. Donc ici vous voyez, j'ai mis à 10% et ça va permettre en fait d'avoir un léger mouvement de gauche à droite au niveau du jeu de charlet. Donc sur la piste de shaker. Et après les rimshots. Et maintenant si on écoute le tout. Vous
Et ensuite ici, on a du coup la 808. Simple, donc j'ai un son de 808 directement intégré dessus, j'ai un utility, j'ai un otiti. Du coup maintenant si on écoute le tout, et enfin du coup j'ai finalisé en fait la prod en ajoutant quelques FX très simples, donc des petits reverse. Du coup c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions, avec plaisir j'y répondrai, et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.